Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que j'ai bonne mine. Parce que pour vous dire vrai, c'est pas la forme. C'est pas la forme, ça va pas chez Eritor. Mais j'ai mon artiste qui sort ce 13 mai là. Son clip s'il vous plaît. Et il y a l'album de Suspect 95 aussi qui est disponible. Il y a de cela 48 heures. Waouh. Avant tout, j'aimerais vous inviter à regarder en description et à aller continuer à streamer l'album de Suspect 95 et allez cliquer sur la chaîne YouTube de mon artiste Infernal DJ d'Abidjan pour vous abonner. J'ai besoin de votre force. Mon artiste a besoin de votre force. S'il vous plaît, abonnez-vous avant ce 13 mai là parce que c'est du lourd qu'il envoie. Mon artiste est très talentueux, il est très fort. On se prend juste après le générique. Voilà, bon retour, chers abonnés. Bon retour. C'est toujours votre humble serviteur Eritor. Merci à ces dizaines de personnes qui se sont déjà abonnées à la chaîne YouTube de mon artiste Infernal DJ, qui est toujours en description. Je vous prie d'aller cliquer sur le lien et vous abonner en attendant la sortie officielle de son single La Poussin. Parce que pour vous dire vrai, c'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. Je ne vais pas faire plus de 6600 vues sur une vidéo où je vous exhorte à vous abonner à la chaîne YouTube de mon artiste. Et j'ai seulement que 15 nouvelles personnes qui s'abonne à la chaîne YouTube de mon artiste. C'est vraiment pas encourageant. Oh, j'ai besoin de votre force. Il faut montrer à mon artiste que c'est Eritor. Ça chauffe pas. J'ai fait pour plusieurs artistes ici. Donc, c'est pas pour mon artiste. Vous n'allez pas me soutenir. S'il vous plaît, allez en description. Cliquez sur le lien de sa chaîne YouTube. Le 13 mai, il envoie du lourd. Parlons maintenant de l'album. Excusez. Veuillez m'excuser. Parlons maintenant de l'album événement de Suspect 95, Société Suspecte. Waouh! En tout cas, pour les deux premiers 24 heures là, on dira que Suspect 95 a fait vraiment, vraiment très fort. Très, très, très fort. Et c'est à féliciter déjà. Donc, moi, je vais le dire, je fais un standing ovation. Parce que j'ai pris les choses la peine d'écouter tous les titres de l'album. Des titres comme Jessie Mijeka, Elle a les yeux, Maman. Adibaté, quoi d'autre encore? Plein, 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 plein de titres. Vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Est-ce que j'ai remarqué? Vous savez pourquoi cet album va se vendre facilement? Suspect 95 a misé sur le temps de ses titres. Il n'a pas un titre qui va au-delà de 3 minutes 30 secondes. Et ça, c'est une très bonne observation. Parce que plus la musique écoute, plus on a envie de l'écouter et la réécouter. Mais quand elle est longue, ça donne de la paresse. Franchement, je ne sais pas par quoi commencer, mais je tenais vraiment à féliciter Suspect 95 et son équipe qui ont abattu un gros boulot. Vous savez, personnellement, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que il y a eu une grosse campagne de communication autour de cet album-là. Donc, c'est normal ce qu'on voit actuellement. Les 1 million de streams en 48 heures, c'est normal. Mais moi, je fais cette vidéo-là avant de parler quelques titres de l'album pour interpeller les fans de Suspect 95. Honnêtement, moi, en tant qu'observateur, je ne souhaiterais pas que vous criez vite la victoire. Voilà. Vous savez de quoi je parle. Parce que même si on ne les compare pas ouvertement, on sait que ce sont les deux leaders actuellement du rap ivoire. Et même si Didier l'emporte légèrement sur Suspect 95, on sait que ce sont les deux rivaux du rap ivoire actuellement. Donc, ne prenez pas ce laps de temps et le record que l'album Suspect a accompli en 48 heures pour vouloir narguer. Soit DDB ou soit les fans de DDB. Voilà. Ça, je tenais vraiment à le souligner. Parce que vous savez très bien que pour un meilleur soutien, il faut être sous la réserve. Voilà. Il faut savoir raison garder. Parce que, pour vous dire vrai, les fans de DDB ont streamé, continuent de streamer. Les fans d'Elon ont streamé, continuent de streamer. Les fans de Blacka ont streamé, continuent de streamer. Presque tout le rap ivoire a partagé le lien de l'album de Suspect 95. Voilà. Rappelez-vous que l'album de DDB à sa sortie n'a pas eu un tel engouement, mais la communication qu'il y a eu autour et certains titres à succès comme En haut, Tala, on dira quoi encore, plein plein d'autres titres ont poussé le public à aller naturellement voir le clip, non, j'ai le clip, voir l'album de l'artiste sur les différentes plateformes de téléchargement. Donc, félicitations à Suspect 95, d'accord, mais ne nous emballons pas. Voilà, ne nous emballons vraiment pas. C'est vrai que c'est communicatif parce que informer les gens qu'en 48 heures, j'ai accompli plus de 1 million de streams, ça donne de l'engouement, ça suscite de l'engouement chez les autres qui n'ont pas écouté l'album, de se ruer vers les plateformes
pour écouter et streamer. C'est bien beau. Mais je ne veux pas que ça rentre dans la narque parce que, jusqu'à preuve du contraire, dans le rap ivoirien, et même je dirais dans la musique ivoirienne, Didi B est actuellement l'artiste le plus écouté sur bon nombre de trucs, de trucs, de maisons, de plateformes de stream. Vous savez très bien de quoi je parle. Par exemple, sur Boomplay, il a plus de 54 millions de streams. C'est pas à négliger. Et dans les 54 millions de streams, l'album Mojo Trône vous a fait déjà plus de 30 millions de streams. Donc c'est quelque chose à féliciter. Cependant, moi, je vais vous parler de quelques titres que je vous invite à aller écouter. Le dixième midi, car franchement, je te dis merci à Suspect95 pour ce clin d'œil-là, pour ce bel hommage qu'il a rendu à la légende d'Arafat à travers ce titre-là, Jesse Medica. Franchement, Suspect95, il est hyper, hyper talentueux. Ça, c'est vraiment pas à discuter. Il est très talentueux. Sérieux, il est très talentueux. On peut avoir des préférences, mais Suspect95, comme on dit, c'est l'homme aussi. Voilà, le mec, il sait rapper, il sait chanter. Et ce qui m'a le plus épaté sur cet album-là, il y a eu plusieurs rythmes musicaux, mais Suspect95 a triomphé sur les différents beats. Moi, perso, je le kiffe pas trop en featuring, mais dans cet album-là, j'ai plus aimé les morceaux en solo. Voilà, les morceaux tels que Elle a tes yeux, Maman, on va dire Ventre percé. L'album est de belle facture. Au niveau de la prod, rien à dire. Franchement, il faut respecter le travail de l'artiste parce qu'il a fait fort. Voilà, les 1 million de streams, il le mérite amplement. Il le mérite à deux niveaux. Il le mérite parce que il est talentueux. Et il le mérite parce qu'il a fait un gros travail derrière. Donc moi, je souhaiterais que les fans de Suspect 95 se taisent et continuent à booster l'album. Le lien est dans la description actuellement. Voilà. Il faut aller cliquer et streamer au max. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas rester dans les considérations de non, on a fait 1 million de vues en 48 heures, on a fait 500 000 streams en, comment je dis ça, en 24 heures. Non. Non. On peut commencer en fanfare et c'était un pétard. Vous savez très bien ce que cette phrase signifie. Donc, moi, c'est pas ce que je souhaite pour l'artiste. L'artiste a fait un gros travail, musicalement parlant. Moi, je pense que l'album, il est irréprochable. Par contre, il y a un titre que j'attendais le plus, c'est le titre avec Caris. J'ai pas trop senti Caris déchirer comme il déchire sur ses prods. Peut-être qu'il ne se sentait pas sur la prod sur laquelle il a partagé ce featuring avec 695, mais j'ai pas senti vraiment le grand Caris. Parce que Caris, vous connaissez. Le rap game, le rap, la trap, c'est son truc. Mais c'était un peu plat pour moi, honnêtement. Voilà. Sinon, à part ça, le reste des titres, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment, vraiment rien à dire. Suspect 95 a bossé. Donc, taisez-vous et allez streamer. C'est tout ce que je vous demande. Dans les prochaines vidéos, je vais réagir à chaque morceau, à chaque titre de l'album. Voilà. C'est parce que j'ai oublié les titres de l'album. Mais je sais qu'il y a intronisation. Il y a truc Société Suspecte avec Youssoupha. Il y a Vente Percée, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a Jessie Mijeka. Il y a Est-ce que toi tu es un enfant en featuring avec Ovikan. Il y a franchement, il faut aller voir. Il faut aller voir parce que mes paroles et mes mots ne suffisent pas. C'est du beau boulot. Voilà. 1 million de stream, c'est bien beau. Mais il faut que ça continue. Il faut pas que ça stagne après. Parce que vous vous rappelez qu'un morceau attendu comme Société Suspecte en featuring avec le grand Youssoupha a très vite démarré et après a stagné. Moi, je conviens très mal qu'un morceau comme ça n'a pas encore les 5 millions de vues pour ce temps-là, pour ce temps de sortie, honnêtement. Parce que c'est un morceau qui devait vraiment, vraiment cartonner. On ne sait pas c'est dû à quoi, mais il faut continuer à streamer, ne rentrez pas dans les histoires de clash, de considération. Parce que jusqu'à preuve du contraire, actuellement là, le plus écouté, c'est Didi B. Je le dis peut-être pour fouetter votre orgueil, mais c'est pas pour me moquer. Voilà, je voudrais que vous redescendiez sur terre et vous vous concentrez sur l'album de votre artiste et que vous streamez au maximum. C'est le conseil que je peux vous donner. Sinon, vous serez agréablement très surpris. Très, très, très surpris. Si on peut continuer à faire 500 000 vues, pour ne pas dire 500 000 streams chaque 24 heures, je pense qu'il pourra rivaliser avec Didi B. Voilà, mais pour l'instant là. L'album de Suspect 95, Société Suspecte, a fait un très bon démarrage et je souhaiterais que cela perdure, je souhaiterais que cela dure parce que c'est un gros travail. Tu sens que le mec il n'a pas dormi sur ses lauriers, il n'est pas resté silencieux. On se plaignait qu'il soit devenu animateur et tout, mais il nous réservait du loup et là il nous a servi depuis avant-hier. Et moi perso, j'en suis très 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 heureux. Voilà. Maximum de partage et vos avis en commentaire.